Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans, je suis la maman d'une petite fille Charlie qui a 9 mois. Aujourd'hui, je vais vous présenter les tétines de la marque Biebs. Donc tout d'abord, les tétines Biebs sont en plastique sans BPA et la tétine est en caoutchouc. Il y a plusieurs tailles de tétines, les premières vont de 0 à 6 mois. Les secondes de 6 mois à 12 mois et il y a une troisième taille aussi à partir de 12 mois. C'est les tétines que ma fille a depuis la naissance et c'est les seules qu'elle a arrivé à garder dans la bouche sans qu'elle tombe. Donc chez Biebs, c'est des tétines qui sont très bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont incurvées. Donc c'est-à-dire que la tétine en plastique, le contour de la tétine ne touche pas le visage de l'enfant quand il a la tétine en bouche. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a des tétines qui sont phosphorescentes dans la nuit, donc celles qui ont l'arceau blanc. Elles sont phosphorescentes, donc on peut les retrouver facilement dans le lit. Elles sont très très bien nettoyables, très pratiques aussi pour nettoyer. Il faut bien vider la tétine une fois qu'on l'a passée sous l'eau parce qu'elle est souvent pleine d'eau. Et avant toute utilisation, toujours tirer la tétine dans tous les sens pour vérifier la sécurité de la tétine. Alors sur la notice, il y a une préconisation en termes de combien de temps nous pouvons garder la tétine. Pour ma part, moi je la garde 3 mois. Après, chacun fait comme il le souhaite. Tout dépend de la dégradation de la tétine aussi. Si le bébé a des dents, peut-être qu'il l'abîmera plus vite qu'un nourrisson. En soi, je les recommande parce qu'en termes de prix, elles ne sont pas très très chères. Et elles s'adaptent très très bien aux nourrissons, surtout les bébés qui ont été allaités puisqu'ils ont la forme de mamelon, ce qui est très pratique.